Moi, j'aime le fromage dans la quiche. C'est super bon, ça. Oh, malheureux que je sortais juste de la finale de Top Chef. Et... imaginez ce bout de fromage dans une seule quiche. Je voulais que je vous raconte une petite anecdote. Bah, avec ça, on va passer une belle soirée. Foot Club. Bonjour Combini, on est chez moi à Bordeaux et je vous amène dans une fromagerie exceptionnelle. Allez, suivez-moi. Pourquoi on est ici? Tout simplement parce que j'ai voulu faire à Maison Nouvelle un chariot de fromage différent, un chariot de fromage qu'on ne trouve pas dans les autres restaurants. Et Elodie m'a apporté vraiment des fromages exceptionnels, des fromages qu'on ne trouve pas chez les autres et qui étonnent à chaque fois les clients. Alors là, on est sur les fromages étrangers, hein, toute la gamme ici. Là, les persillés. Alors j'adore les persillés, ce sont des fromages avec beaucoup de caractère, qui laissent des traces. Mais moi j'aime bien ça, enfin, il faut que ça reste aussi sur le palais, et avec lesquels on peut faire des accords très intéressants aussi. Hein, tout ce qui est chèvre, ici, sur cette partie-là. Ah ben là, c'est les, voilà, c'est les fromages à raclette. Ah, c'est bon ça. Non mais moi je peux manger de la raclette même 31 degrés sur une terrasse. Je l'ai déjà fait, hein. J'ai déjà fait pour la fondue. Hein. 35 degrés dehors. On s'est arrêté dans un endroit improbable et il se trouve qu'il y avait de la fondue et je trouvais l'endroit en étant les montagnes. C'est en plein été, mais quand même, j'ai mangé une fondue. Voilà, j'ai pas pu m'empêcher. Ça là, je la reluque depuis tout à l'heure. Bon, c'est l'emmental ? Oui. Belle emmental, ouais. De Savoie. Je peux en couper une tranche ? Oui, allez-y, faites-vous plaisir. Alors ça se fait avec le... Ça peut se faire au couteau, mais c'est plus facile, je trouve, avec le fil à trancher. Voilà, tac. Là, on fait comme ça. Comme ça, on peut tenir ouais, comme ça. Voilà, c'est parfait. Voilà. Et tac. Et... tac. Génial. Oh, voilà. Ça va ? Mais moi, j'aime les grosses pièces aussi. J'aime bien... Sur un chariot de fromage, quand on a une belle pièce... imposante, ça fait toujours son effet. Voilà. Ensuite, on a quoi ici? Donc, on est sur les fermiers, lait de vache. Voilà, tac. Un peu de et ici, les brebis. Voilà, brebis du Pays Basque, entre autres. Et en tout cas, une belle sélection. Et en particulier, celle-ci, donc j'ai déjà eu sur le chariot, c'est le café d'Eric. C'est un fromage donc, qui est aromatisé au café. Une tome de brebis. Et c'est super bon. Vraiment, c'est super bon. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour des fromages que propose Elodie. C'est quoi votre rapport au fromage dans la vie? C'est presque quelque chose d'indispensable pour moi pour faire la transition entre le dernier plat et le dessert. Le fromage avec la salade, j'ai du mal à m'en passer. Puis il y a une telle variété de fromages, un tel savoir-faire en France sur les fromages que je découvre à chaque fois de nouvelles choses aussi. Le fromage que j'ai toujours chez moi au frigo, c'est le gruyère. On en fout partout. Ça marche toujours, c'est facile. Dans la soupe, on en met dans la purée, on en met même dans la quiche. Voilà! Et je le dis haut et fort, moi j'aime le fromage dans la quiche. Imaginez ce bout de fromage dans une seule quiche. Hein? Ça là! Oh, un régal! Un régal! Voilà, j'en mets même dans le gratin des fois. Oh malheureux! Tac! Je sais qu'on n'en met pas dans le gratin dauphinois, mais des fois j'en mets aussi quand même. Allez! Ça c'est fait. En fait, on peut le marier avec beaucoup de choses, le fromage, plus qu'on ne le pense. Traditionnellement, on va penser à la confiture, aux pâtes sucrées, au miel aussi, pour certains fromages. Aussi avec des vins, on fait de très beaux accords. Et finalement, ce que je préfère, c'est peut-être le miel avec le fromage. Et d'ailleurs, à Maison Nouvelle, sur le chariot de fromage, on a un gros bloc de miel. On dirait un gros morceau de fromage. Et les gens s'y trompent, vraiment. Donc on joue avec ça, c'est super intéressant. Et c'est vrai que ça s'accorde bien avec le fromage, et notamment avec des fromages un petit peu forts. Après, sur des associations particulières, j'en ai eu fait, hein. Ça se fait dans le Nord, c'est de manger une tartine de fromage avec le café. Ben, ça marche plutôt bien. Ben, la preuve en est, puisque je vous ai montré tout à l'heure une tome qui était faite avec du café. Donc ça veut dire que le café fonctionne avec le fromage, avec le camembert ça marche. La confiture de myrtille ça marche avec beaucoup de fromage et avec le camembert entre autres. Donc c'est pas délirant non plus. C'est que si on ose le faire, bon ben ça peut marcher. Alors le fromage parfait pour commencer la journée, moi j'irais sur quelque chose d'un petit peu léger. Un fromage de chèvre, moi je les aime bien un petit peu crémeux, un pavé des Pyrénées par exemple, un fromage comme ça, voilà, tout en fraîcheur, en douceur aussi et avec un côté crémeux bah, qu'on aime bien le matin, c'est un peu réconfortant. Le fromage parfait pour l'apéro. Alors, tout dépend de ce qu'on boit à l'apéro.
Moi, j'irais plutôt sur du vin à l'apéritif ou même du champagne. Pour le coup, j'irais sur un fromage à pâte dure, un Salers ou un Cantal, même un Laguiole, ça peut le faire. Coupé en cubes, hein, avec des petits pics comme ça, là, tac, c'est facile à manger, puis ça passe bien. Regardez, Top Chef, quel fromage. Eh bien, un fromage un peu travaillé, peut-être. Alors, c'est un Brie mascarpone truffe. Je le vois ici, là, sur l'étal. C'est super bon. Je faisais ça il y a très longtemps avec de la mascarpone, de la truffe et le Brie un peu crémeux, un peu moelleux. Donc, c'est un fromage travaillé. Donc, ça peut ramener aussi à toutes les préparations qui sont faites dans Top Chef, un peu technique comme ça, mais avec beaucoup de goût. Alors, ce que j'ai l'habitude de manger sur les tournages, c'est déjà les plats des candidats qu'on goûte beaucoup. On a une espèce de cantine, hein, où on mange tous avec les techniciens. Alors, c'est très varié, hein. Vraiment, moi je mange ce qu'il y a, je suis pas difficile, pas compliqué du tout. Alors, est-ce que le fromage on le met au frigo ou pas? Pour la conservation, il vaut mieux le mettre au frigo, Elodie, on est d'accord? Oui. Mais pour le déguster, il faut le sortir un peu avant. Une bonne heure. Hein, une bonne heure avant, moi c'est ce que je fais aussi, donc je ne me suis pas trompé. Je voulais que je vous raconte une petite anecdote sur justement le fromage qui me manquerait le plus, mais qui est arrivé au cours d'une expérience, d'une mission humanitaire au Cambodge avec les pompiers solidaires, que je sortais juste de la finale de Top Chef et... Quelqu'un du public qui avait dégusté les plats ce soir-là m'a donné des poches de fondue, de fromage à fondue. Et comme je partais le lendemain au Cambodge avec ma valise, j'avais tout ça dans la valise, et un soir avec les pompiers solidaires, eh ben, on s'est fait une fondue. Alors, c'était impressionné, je leur dis, les gars, il faut trouver un endroit où on puisse faire ça. Et franchement, c'était un moment improbable, déjà, de manger une fondue au Cambodge. Et c'est vrai que du coup, c'était réconfortant d'avoir ça en mission, parce que quand on part sur les missions humanitaires, on va dans des endroits où les touristes ne vont pas. C'est toujours assez dur. Et puis finalement, en fin de journée, après avoir parcouru des kilomètres, puis avoir vu des choses quand même parfois qui sont un peu dures, ben ça fait du bien en fait, c'est réconfortant. Et si vous aviez vu les pompiers se ruer sur la fondue, c'était dingue. Ah, on a tout fini hein, par contre. Et on s'est régalé. Si vous deviez recevoir des amis chez vous ce soir, ouais, et vous avez le droit à 10-15 euros, qu'est-ce que vous prendriez là devant vous pour leur faire plaisir, leur faire une surprise, etc. 10-15 euros, je vais pas loin, hein. On est bien d'accord. Hein. Je vais prendre la vache qui rit, mais il n'y en a pas ici. Allez, 20 euros, on va dire 20 euros comme ça, ça laisse plus de marge. Je me fais aider, si vous permettez, par Elodie. Hein. Parce que forcément, si j'ai un truc à faire avec des copains, j'ai envie d'Elodie, je lui demande conseil. Un joli chèvre? Ouais, par exemple. Nature ou un peu aromatique? Ouais, un peu aromatique. Ouais. Ouais. Un petit chèvre châtaigne miel qui vient du Lot. Ah, j'adore la forme en plus. Joli ça. Ah, c'est super beau. Ouais. Mais quand même, par principe, avant de leur offrir, j'ai confiance vraiment en Elodie et dans ses choix. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc j'ai besoin de goûter. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Ça c'est beau, vous avez vu. Ça c'est la petite technique d'avoir le fil à fromage là qui pendouille. Tac. Juste là. Hein? Ouais. C'est super, ouais. Hein? Super belle idée. Ah, c'est joli ça. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a là? La châtaigne et du beurre. Ah oui, c'est des châtaignes, ouais. Ouais, un morceau de châtaigne. Tout à fait. Ah, ça, c'est rigolo. Vous voyez, on parlait du miel tout à l'heure. Ça va vachement bien avec les fromages. C'est marrant parce que la première bouchée, on a un goût de levure. Ouais. Mais la levure de boulanger. Et moi, j'adore ce goût. C'est super bon ça. Ah, il le faut aussi pour notre chariot. Mais là. Oui, mais bien sûr. Mais vous n'avez pas tout essayé encore. C'est ça qui est bien. Bon, de toute façon, on va y aller. C'est pas grave. Au moins, ça permet de renouveler. C'est saisonnier, ça ou pas? C'est saisonnier. Ils ne travaillent pas l'hiver. Ouais. Ça, c'est important de le savoir. C'est qu'il y a une vraie saison pour les fromages aussi. On ne peut pas mettre n'importe quoi, n'importe quand. 4,10 €. On est, ouais, mais on a combien? Parce que là, il y en a. Là, je mange tout, là, tout seul. Là. on a le chèvre, mais après, c'est que des chèvres, là. Ce serait quoi, alors? On part sur le brebis. Ah! Comme ça, vous avez trois fromages. Mais oui, on fait un petit assortiment. Et oui. Moi, je mettrais une pâte dure et on terminerait par une pâte molle de vache. Comme ça, vous avez du frais, une pâte dure, une pâte molle. Allez, ça me va. La tonne de saucée. Très bien. Allez, je vous coupe un morceau. Kaiser saucée. C'est un estive, c'est un fromage de l'été dernier de montagne. Sur le sel un peu là. Hein? Oui, bah ouais, il commence à être un peu plus vieux, ouais. Plus affiné. Ouais, ouais. Ok, ça va. Allez. On va, ça? Ouais, bingo, on prend. Donc, combien, là? Là, je vais vous dire, un petit morceau comme ça? Ouais. Alors, le bon fromage a un coût, hein, malgré tout. Il n'y a pas de secret non plus. Hein. Je veux dire, c'est un vrai travail, un vrai savoir-faire. Donc, il ne faut pas le négliger. 5 euros. Alors, 5 euros, bim. plus 4, ça fait 9. Et pour terminer, un vache. Un vache, ah, ouais. L'Indarica. Je vais vous faire goûter l'Indarica. L'Indarica, c'est... on est dans le Pays Basque. Ouais. Et
pareil, c'est une productrice qui travaille avec des jerseyaises. Donc, cette petite race qui fait peu de lait. Petites vaches, absolument. Et qui a un lait qui est très riche. Ouais. Voilà. Et donc là, donc du lait de jerseyaise, bien jaune comme ça. Ça sent bon. C'est bon, ça. C'est bon, ça. C'est crémeux. Ouais, c'est top. C'est riche. C'est une race beurrière, c'est elle qui nous fait le beurre et la crème aussi. Ah, tu m'étonnes. Très bien, ça va, c'est parfait. Alors 5 euros, on a 15. Alors on a 15. Ben j'ai le droit encore à un truc. Un bleu ? Ah ouais, bien sûr. Ah ouais, moi j'aime bien le gorgonzola. Ouais. C'est sympa. Maintenant, si on veut rester peut-être français, bon, il y a le Roquefort, il y a le bleu d'Auvergne. Alors, on est très, très, très content d'avoir le bleu de l'Aveyron. Parce qu'en fait, le bleu d'Écosse, l'appellation bleu d'Écosse, n'était pas du tout produit par des fermiers. Donc, ça s'appelle le bleu de l'Aveyron. Il a reçu son AOP. Donc, maintenant, on peut l'appeler bleu d'Écosse. Et on est très, très fiers de l'avoir et de le présenter parce qu'on ne vendait pas de bleu d'Écosse. Alors, pour le soutien au bleu d'Écosse, on va prendre le bleu d'Écosse. Très bien. Voilà. Ça, c'est beau, ça. Ouais, c'est bon. Et là, ça fait 20 euros, ça va ? À peine. Mais c'est cool parce que j'ai une belle variété de fromages, très différents, très marqués à chaque fois. Donc, une belle proposition. Ben voilà, c'est fait. Ils sont là, les fromages, ils sont là. Nickel. Ah ben, finalement, c'est correct quand même pour 20 euros. En plus de l'originalité dans la proposition, ben avec ça, on va passer une belle soirée. Colmini !